ولا تدفع الحجة إلا بالحجة، ولا يرد على البرهان إلا بالبرهان. العلم، العلم أولا وقبل أي شيء، العلم قبل القول والعمل. العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons appartient à Allah Zawajalla, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés. Demandons à Allah Zawajalla de faire ses bénédictions et ses élus sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et ceux qui la suivront jusqu'au jour de la résurrection. Allah Zawajalla fasse que nous suivons cela de la belle manière. Après cela, il y a l'ikhwat wa l'akhawat. Ceci est une assise spécifique dans laquelle nous allons clarifier, ainsi répondre à certaines questions qui nous ont été posées concernant un prédicateur ici en Côte d'Ivoire, et c'est le dénommé Tour ibn Ahmed, dont les audios et les vidéos traînent un peu partout sur la toile. Alhamdulillah, certains fans nous ont approchés avec ces vidéos-là et nous ont posé des questions. Qui il est? Quel est son manhaj? Vers quoi il appelle? Et quelle est la voie qu'il suit? Quelles sont ses références? Est-ce qu'il a de confiance? Voici un peu les questions que les frères de la Sunna nous posent. Est-ce qu'ils peuvent l'écouter et prendre la science de lui? Puisqu'il s'est érigé aussi en da'i, nous avons vu alors obligatoire de clarifier son cas. Comme Allah Azawajal l'a dit dans le Coran, « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ » Et quand Allah Azawajal a pris l'engagement avec ceux à qui il a confié le livre, « لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ » qu'ils vont clarifier tout ce qui est de, tout ce dont les gens ont besoin et qu'ils ne vont rien cacher. « فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ » mais ils l'ont jeté derrière eux, « وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا » et ils l'ont échangé contre le vil prix de cette dunya. Et qu'elle est vraiment vilaine, ce qu'ils ont pris au détriment de la religion d'Allah Zawajalla et de la clarification. Et le Cheikh Abdelrahman Nasser ibn Sa'di, il dit dans son tafsir, Al-Mithaq, le pacte ici, Al-Mithaq, huwa Al-Ahd. C'est le pacte Al-Thaqil, le lourd pacte Al-Mu'akkad, qui est vraiment insisté qu'Allah Zawajalla a pris avec ceux à qui il a confié le livre. Et cela, il y a les Yahoud, les Nasara et les musulmans. Wa'ad Al-Mithaq, et ce pacte-là, أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب. Allah l'a pris avec toute personne à qui il a confié le livre. Comme je l'ai dit, les Yahoud, les Nasara et aussi les musulmans. وعلمه العلم. Et toute personne à qui Allah a confié une science, أن يبين للناس qu'il clarifie aux gens ما يحتاجون إليه. Tout ce dont ils ont besoin. مما علمه الله de ce qu'Allah عز وجل l'a donné comme science. ولا يكتمونه. Et qu'il ne cache rien de cette vérité-là qu'ils doivent clarifier. وَيَبْخَلُوا عَلَيْهِمْ et qu'ils ne fassent pas preuve de méchanceté envers les gens quand ils ont besoin de clarification. وَخُصُوصًا إِذَا سَأَلُوهُ et de façon spécifique ou même principalement si ces gens-là viennent à te poser des questions. أَوَقَعَ فِي مَا يُجِبُ ذَلِكَ ou qu'ils sont tombés dans ce qui est obligatoire ou dans ce qui oblige la clarification et demandent la clarification, alors il vous incombe alors de clarifier cela. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٍ car toute personne à qui Allah confie la science, يَجِبُ عَلَيْهِ fit-il quel hal, il est obligatoire alors dans ces cas-là, anubayyinahu, qu'il clarifie ce qui doit l'être, wa yuwaddihu, et qu'il éclaire la vérité min al-batil, et la détache clairement de, du faux. Et cependant, sur cela, nous avons vu opportun et très important de clarifier le cas de Tour ibn Ahmed aux musulmans qui sont soucieux de l'étude de leur religion. Et comme vous n'êtes pas sans le savoir, le salaf, qui est Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, il dit dans sa parole, Inna hadha al-ilm ad-din. Il dit, certes, cette science que nous cherchons là, c'est ça notre religion. Ce que tu apprends, c'est ce que tu mets en pratique. Fandura man ta'khuduna dinakum. Alors regardez de qui vous prenez votre religion. Ceci est très important. Car si tu prends ta religion de quelqu'un qui est tordu, tu seras tordu. Si tu prends la religion de quelqu'un qui est droit, walhamdulillah, dont le manage est bon, sa aqida est bonne, alors tu auras aussi un bon manage et une bonne aqida. Ceci est bien connu de tous. Alors, vu cela, nous allons, inshallah ta'ala, clarifier le cas Tour ibn Ahmed. D'abord, qui il est? Nous le connaissons sous le nom de Tour ibn Ahmed. Et il a une chaîne YouTube où il partage ces vidéos là-bas. Quand des personnes m'ont parlé de ça, je suis allé faire des recherches. J'ai tombé sur son groupe, ouais, sa chaîne YouTube.
Et j'ai vu un peu ce qu'il fait comme travail, et j'ai trouvé qu'il parle que des sujets généraux, des sujets qui sont généraux, qui touchent tout le monde, mais pas des sujets spécifiques dans la l'aqida et dans le manhaj. Donc du coup, je me suis déjà fait une idée. Lakin, je me suis pas tenu à cela. J'ai fait des recherches, j'ai posé des questions à des gens qui étaient très proches de lui, qui ont même pris la science de lui un temps de leur vie, mais qui ont fini par le délaisser. Et j'ai posé des questions à ces frères-là, alhamdoulillah. Deux frères, alhamdoulillah, m'ont apporté des clarifications à son sujet. Donc, des frères de conscience. Et vu aussi ce que je sais de lui et ce que j'ai entendu de certains de ses proches, alors je peux clarifier clairement son cas. Alors, toi, Ahmed, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que sa dawa n'est pas conforme à celle des prophètes. Ainsi, celle des salaf. Sa dawa diffère totalement de celle des salaf. Pourquoi? Car il n'accorde pas d'importance à la science de la l'aqidah ni du manhaj. Pour toute personne qui le connaît ou qui l'écoute, saura très bien que Tour ibn Ahmad ne sait pas clarifier le tawhid aux gens. Il ne sait pas clarifier la l'aqidah des gens de la sunna aux gens. Bal, il n'appelle même pas vers cette aqidah-là. Lui, il s'est affilié à la sunna de façon générale, comme le font les hizbis, de façon générale. Sunna, sunna, c'est tout. C'est juste dans le vêtement, la barbe peut-être, le fait de faire le qabd dans la prière, peut-être que sa femme a un hijab, je ne sais pas. D'accord? C'est tout ce que il fait. Et tout le reste, c'est de parler dans les sujets généraux qui concernent toute la Ummah. Mais dans les sujets qui font polémique, là où les musulmans ont besoin forcément de clarification pour se distinguer des gens du faux, alors Tour ibn Ahmad, sa dawa diffère totalement de celle des salaf dans ce sens-là. Sa dawa diffère totalement. Cela est un point très important, car les salafs ont toujours dit, la dawa qui ne commence pas par le tawhid et la clarification de l'aqidah est une dawa qui est déjà battue là. Comme l'a dit Cheikh Salah Al-Fawzan. Allah dans le Coran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin. Nous avons envoyé à toute la communauté, Rasoulan, un messager, an yabudullah, pour leur dire, adorez Allah Zawajalla, wa ashtanibu tawhut, et écartez-vous du tawhut. Ce qui est clair. Alors toute dawa qui ne débute pas par le tawhid est une dawa fashila, qui a déjà échoué, car elle a raté les bases sur lesquelles elle devait reposer. Et Tour ibn Ahmad, sa dawa est ainsi. Deuxièmement, il enseigne de mauvaises croyances aux gens, des croyances qui contredisent des croyances de la légende de la sunna et du consensus, notamment des croyances des Asha'ira. Il fait le ta'wil des sifat. Il apprend aux gens à ne pas revenir au salaf dans l'interprétation des noms et des attributs d'Allah Azzawajal. Cela aussi est un très grand danger, ce qui montre aux musulmans qu'ils doivent se méfier d'une telle personne. Ça, c'est le deuxième point aussi qui est très important. Troisièmement, il prend pour référence des têtes de l'égarement et les prêcheurs égarés à notre époque, tels que Ouldédo, Mohamed Arifi, Youssouf Al-Qaradawi et consorts. C'est eux qu'il prend comme référence. C'est eux qu'il cite dans ses prêches. Alors, pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances dans la salafia, il saura que ce dernier-là, il n'a rien à voir avec les gens de la sunna. Car ceux qu'il cite là sont des ikhwani purs. Et les ikhwani n'est même pas caché. Les savants ont déjà réfuté ces personnes-là. Alors, cela aussi est un grand défaut à ce prêcheur-là qui se nomme Touré Ibn Ahmed. Troisièmement, pour aller vite, quatrièmement plutôt, il est influencé par la Jamaat Tabligh. Il est ou bien il a été avec eux. Je ne sais pas s'il continue d'être avec eux, lakin il a été influencé par la Jamaat Tabligh. Car son père même est un chef de ce groupe-là, la Jamaat Tabligh, qui est un groupe égaré, qui est bien connu. Et après cela même, il est encore avec les sectaires, il est dans les associations, il milite pour ces associations-là, qui sont Hizbi en Côte d'Ivoire ici, et il intervient même sur Al Bayan, qui est une télé qu'on connaît bien, qui est une télé qui appelle à toutes sortes de trucs, qui font la promotion de toutes sortes d'égarements en Côte d'Ivoire ici. Et après cela aussi, c'est un bon rapproché de l'imam Berthe, qui est un imam Hizbi bien connu en Côte d'Ivoire ici, qui déteste la salafia, qui déteste la sunna, et qui appelle les gens vers la Hizbiya. Et c'est ce dernier-là qui a rassemblé tous les petits Hizbis à côté de lui. Les gens de la DDR, c'est lui, même qui s'est autoproclamé leur chef. Toyib et Tour ibn Ahmad est l'un de ses petits, et il intervient même dans la mosquée de ce dernier-là. Toyib, cela montre clairement qui il est. Comme le salaf le disait, Man akhfa alayna bidatuhu, lam tukhfa alayna ulfatuhu. Celui qui nous cache sa bida ne pourra pas nous cacher
ses compagnons avec qui il marche. Alors si tu vas marcher avec quelqu'un qui est sectaire, alors il se peut que tu sois sectaire. Allah Azzawajalla nous en préserve. Après cela aussi, il a cette facilité-là de rejeter les paroles des savants et les paroles des salafs en se basant sur sa raison. Et pour les frères qui sont allés le conseiller, notamment, m'ont rapporté cela pour dire, quand tu lui rapportes la parole d'un savant de la sunna, il te dit non, laisse ça. Toi-même dans ton acte, c'est comment? Toi-même dans ta raison, c'est comment? Comment toi tu vois l'affaire? D'accord? Je base sur son acte pour rejeter la parole des salafs dans les sujets très importants comme la aqida et dans le manhaj. Ceci aussi est un très grand défaut, un très vilain défaut pour quelqu'un qui se veut da'i. Voyez? Après cela aussi, parmi ses ruses, il y a le fait qu'il monte, il laisse apparaître l'amour, un certain amour de certains savants de la sunna, comme Cheikh Al-Albani Mathala. D'accord? Cela par ignorance, car il ne sait pas peut-être que sa voix qu'il suit et celle de l'imam Al-Albani est très distincte, très différente, ou soit par ruse pour essayer de tromper les ignorants pour qu'ils lui fassent confiance pour venir vers lui. Voyez là, son manhaj et le manhaj de Cheikh Al-Albani sont deux choses très très distinctes et deux choses très très différentes. Donc voici un peu ce que nous savons de Touré ibn Ahmad. Pour ne pas être long, juste une clarification pour ceux qui m'ont posé la question à son sujet. Et de cela en résumé, nous disons clairement que Touré ibn Ahmad n'est pas quelqu'un à écouter. N'est pas quelqu'un à écouter. Voyez. Et ceci n'est pas une invitation. C'est la clarification de son cas. C'est clair que ce n'est pas quelqu'un à écouter. Voilà. Pour ceux qui vont dire, est-ce que vous êtes allé le conseiller ou pas, je dis que pour conseiller, ou bien pour clarifier la situation de quelqu'un, ou bien pour le réfuter, on n'a pas besoin d'aller le conseiller. D'accord? On n'a pas besoin d'aller le conseiller. Si on connaît ses égarements, on connaît vers quel groupe il s'affilie directement, alors nous clarifions cette situation-là pour montrer aux musulmans de faire attention. Si on doit aller le conseiller, qu'il accepte, ou bien qu'il n'accepte pas, avant de clarifier ses défauts, et les musulmans qui vont le suivre entre le temps là et qui vont mourir sur l'égarement, on dira quoi d'eux? Et quel sera notre sort au Père d'Allah Zawajal et Malkiyama? Nous disons que nous, ce que nous avons, avec certitude, on a mené nos investigations, on a posé des questions à qui le connaissent, des frères qui le connaissent très bien, alors ils ont témoigné vraiment de ses défauts là dans sa religion et de ce que nous avons pu constater dans ses vidéos et dans sur sa chaîne YouTube. Nous basons sur cela pour faire ce jugement. Et après cela, ce que les frères ont rapporté comme mauvaise moralité, ça, on va pas entrer dans cela. On va pas entrer dans cela. Lakin, ce que nous savons de lui, manhajiyan, alors, dans le manhaj, comme erreur, alors nous clarifions cela. Pourquoi nous disons cela? Les musulmans ont besoin de cela et la clarification est obligatoire. Et nous, alhamdulillah, nous faisons cette clarification-là pour les musulmans, pour éviter qu'ils tombent dans des égarements. Pour ceux aussi qui diront, comment on juge qui n'a pas un bon manhaj, c'est ce que je viens vous expliquer. Soit quelqu'un qui est bon, droit dans le manhaj, fait son éloge, ou soit sa science même qu'il porte et qu'il véhicule, fait son éloge. Mais dans ce cas-là, Touré ibn Ahmad est différent de tous ces deux cas-là. Il est sort de tous ces deux cas. Personne des gens de la sunna ne fait son éloge ici, en Côte d'Ivoire, personne des salafis. Rien. Deuxièmement aussi, sa science qu'il porte aussi ne fait pas son éloge. Car il appelle vers des égarements. Il enseigne du n'importe quoi aux gens. Alors, c'est quelqu'un à qui il faut faire attention à ne pas aller prendre la science chez lui. Les frères qui ont essayé, alhamdulillah, Allah les a sauvés. Ils se sont cherchés quand ils ont vu ces égarements. Alhamdulillah, nous faisons cela en tant que conseil pour les musulmans pour qu'ils fassent attention et sache de qui prendre leur religion et comment réagir face à ce genre de choses-là. Et nous remercions aussi les frères qui ont posé des questions. Alhamdulillah, nous on ne savait même pas que quelqu'un comme ça existait. Mais les frères ont envoyé ces vidéos, ils ont posé des questions sur son cas. Et s'il faut, dans les jours à venir, qu'on aille sortir encore ces paroles, montrer aux gens, s'il le faut, ils adhèrent à l'Ihil Aja. S'il y a besoin de cela, alors on va le faire. Lakin, je pense que pour ça, pour répondre à ces questions-là, ce qu'on a fait là, c'est déjà suffisant. Et nous demandons à Allah d'y mettre la baraka, de nous préserver de tout égarement
et aussi des égarés, et de nous raffermir sur la vérité. Sachez, ayez les rois, que ces conseils-là sont très importants. Ils sont très importants pour les musulmans, car aujourd'hui, la religion est mélangée. Toute personne qui a un petit niveau en français, même s'il ne connaît rien en arabe, il comprend rien des fondements de la religion, il veut parler. Voilà pourquoi il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de vigilance, faire attention à ne pas tomber dans les mailles des filets des hizbiyin et des sectaires, et aussi des égarés. Qu'Allah Zawajalla nous en préserve et qu'il nous raffermisse sur la vérité. On va s'arrêter là. Wa ilaha ta'ala tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.